Corsier qui a été le porte-drapeau de l'écurie à Marcy Oudial la saison dernière a eu du mal cette année à rééditer l'exploit. Et le cheval s'est blessé, Amar va nous en parler certainement. Long repos Amar, beaucoup de patience et aujourd'hui vraiment il fait un grand, gros, gros numéro. Hein. Non seulement un grand mais un gros numéro en s'imposant arrêté. Justement, moi je prends beaucoup de patience avec ça, c'est valable. Vraiment, Tinu Seval, Fétis, Alec Irina, il y a 4 victoires d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais pas mal placé, 4 victoires. Effectivement, sans l'année là, il fait une seconde, pas trop comprendre qu'il fait partie galop bien. Ce deuxième sorti, Raman Diamant, définitivement, il y a un problème. Effectivement, après ça, les courses là, d'après une semaine, nous trouvons qu'il se boulait pas correct. Il donne un petit break. Nous recommençons à travailler, il n'est pas correct même. Nous mettons un blister avec lui, il n'est pas correct même. Il prend beaucoup de patience avec lui, il est devenu off complètement. Je remercie mon vétérinaire, Marissa Alferon. Je remercie Raj Ramzin qui nous donne une place pour la mer. Effectivement, Marc Neches qui occupe ces valeurs-là bien. Et c'est un travail d'équipe. Et je remercie tout le monde, propriétaire qui prend patience avec ça, ces valeurs-là. C'est une quoi, au moins. Et tout étant David Chuanchong, David Peng, du moment à moi, ces valeurs comme étaient, je dis, garde patience. Je peux faire mon travail et effectivement je trouve un bon résultat et vraiment c'est un cheval bien fait ça l'écurie et mais un neveu qui est à l'Australie à Bichy et tu es encore dual galopé, il n'y a pas papa trop fort à ce cheval là. Je vais faire un coucou pour lui hier soir, il s'est causé avec moi, il y a mon envie au dual gagné aujourd'hui, je vais dire c'est sa victoire là pour lui. Eh bien, moi, c'est vrai qu'on sent la satisfaction sur ce travail accompli, puisque on sait que ce cheval, après ses graves ennuis, gagner comme ça dans ce style, ça fait énormément plaisir. Oui, Joké, tu es bien confiant que ce cheval-là, il y a deux semaines, il s'est relax, il s'est relaxé ce cheval-là. Il dit moi, un cheval qui n'a pas besoin de banter le devant, ce qui Vigil Béret Tournec, ce boulet, pas correct. Il fait un grand travail, ce chien, il y a un grand jockey. Parfois, il y a une bien équipe, ça, c'est valable. Tous les jours, glaçons, grammatés, ça tombe tout. Mon cours rappelle, ça, c'est valable, Batika, tu n'y suis le pied. Donc, je dis, il y a une grande victoire pour lui. Alors, chapeau hein, à toute l'équipe, évidemment. Quand on voit un cheval, après ses ennuis, qui revient comme ça, ça fait énormément plaisir. Amar, nous pas qu'à aller sous aller. C'est vrai que quand on regarde la carte aujourd'hui, on en parlait déjà depuis hier. Il y a de grandes chances au programme. Souvent, quand on a une grosse chance comme ça, nous avons fait aussi 4 secondes. Hein, mais les chevaux courent très bien. C'est vrai qu'il y a des high inspiration aujourd'hui. Justement, Opéra Royal, il est très bien à l'écurie. Nous mettons Blinkers, Festan, Mekli, Vicky Soboko, Lynn Sutland, 850 mètres, Vinland, c'est 150 mètres. Dans Coulard Hall, Bizan Respelli, Dream Forest. Sinon, tu vas recevoir un sens à l'écurie. Eh bien, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. En tous les cas, bravo pour tout ce travail accompli. On va juste rappeler à nos téléspectateurs que le Pick 4 va commencer sur cette cinquième épreuve. Allez-y, tentez votre chance. Oui, Amar. Si ça même, n'oubliez pas qu'il y a ce nom qui nous contribue pour Obdual. Je vous félicite, je vous vraiment pardonnez, mais il y a beaucoup de monde qui nous contribue pour ça, ce soir-là, sur le site. Merci beaucoup. Merci Amar. Sur ce, on retrouve Jug et Radjus, c'est à vous.